Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knorfank pour un nouveau let's play. Un let's play qui à mon avis ne durera pas très longtemps puisque vous étiez pas très présent sur le précédent opus. C'est Styx Master of Shadow je crois, si je dis pas de bêtises. Donc qui est le deuxième opus, j'avais déjà joué au premier. Master of Darkness je crois ou un truc comme ça, je me cours peut-être dans les titres. Hein. Voilà, celui-là c'est Shadow of Darkness et l'autre c'est Master of Shadow. Bon j'étais pas loin hein. Voilà, donc Styx, un jeu de Cyanide paru le 17 mars 2017 à 39,99€ en moyenne, c'est à peu près le prix auquel vous le trouvez. Vous pouvez assez facilement le trouver, je crois, en promo sur Instant Gaming, genre facilement 10 balles de moins, je crois, un truc comme ça. Je suis plus formel par rapport depuis le temps que j'ai le jeu, parce que je l'ai depuis sa sortie. C'est la première fois que je le lance avec vous, et bien sûr il est édité par Focus Home Interactive, donc il fait partie faussement de ces jeux indés. On est quand même dans deux boîtes qui sont quand même peut-être pas des AAA, mais on est dans des vraies boîtes de jeux. Voilà. Alors, pour l'instant je le lance en ultra, on verra bien. Alors, au niveau des réglages adaptés pour les joueurs souhaitant découvrir l'infiltration... Réglage adapté pour les joueurs habitués aux jeux d'infiltration, les ennemis vous détectent plus rapidement, les dégâts des attaques subies sont accrus. Gobelins, pour les vrais gobelins, la parade est désactivée, les ennemis vous détectent très rapidement. Attention, leur attaque au corps à corps peuvent vous tuer en un coup et leurs projectiles infligent d'importants dégâts. Maître, mode de jeu destiné aux joueurs les plus expérimentés, identique au mode gobelin, mais la sauvegarde est désactivée. Les sauvegardes automatiques sont déclenchées au début de chaque secteur, ainsi qu'à la planque. Là t'es en mode une run, une vie quoi. Gobelin, je suis pas chaud, ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça pourrait se faire. Oula, oula. Ah, le ramage du cul en ultra. That many guards in one place must be a whorehouse. Even better, it's the guard's monthly payroll delivery. A delivery of vegetables, more our style. Let the pro do the hard work, then it's easy pickings for us. Ha 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 ha! Huh? That's disgusting. What was I thinking when I took a job in this... Excusez-moi, on va se la refaire là parce que c'est dégueulasse. Tout le son est décalé, ça rame du fion. Alors peut-être pas dans le jeu, mais dans ces cas-là, je vais modifier la qualité graphique directement dans le jeu. Je vais vous la remettre parce que là, c'est insupportable, ça suit pas. C'est en plus, je sais que la cinématique fait quand même une certaine durée. Donc je vais vous la remettre. Ceux qui n'ont rien à faire, vous n'hésitez pas à vous sauter dans la vidéo. Mais vous mettez un pouce bleu avant de sauter dans la vidéo, ce serait cool. Ce serait cool, surtout sur... Ouais, faut que je vous parle de la culture du pouce bleu sur les vidéos Fallout 4. Parce que Fallout 4, c'est... je vais vous saouler avec ça dans chacune de mes vidéos, je vous préviens. Ah, vous êtes prévenus, dans chacune de mes vidéos, je vais vous saouler. Parce que je suis pas du genre à vous casser les pieds avec les pouces bleus. Mais étant donné que je suis le seul à faire un vrai 100% qui t'arrache la peau du dos sur Mad Max et sur Fallout 4, avec des vrais épisodes complets, je pense qu'ils sont très largement pertinents. Les deux séries sont très largement pertinentes. Donc si vous pouviez les aider à remonter ces deux séries-là en particulier dans les suggestions YouTube aux gens ou tout court quand vous cherchez une solution sur Fallout 4 pour me trouver, c'est pas forcément évident et ça va que mes mots-clés sont bien faits. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, quitte à revenir sur d'anciennes vidéos, mettre un pouce bleu pour les faire remonter pour que les gens puissent découvrir également. Donc sur ce, je vous remercie, on y retourne. Ouais, ouais, non, on s'en fout. Nous, on recommence. Donc en tout cas, on voit que ça... Dans le jeu... ouais, la fluidité n'est pas dingue. Bon, menu principal, n'en quittez parce que sinon, on va avoir des emmerdes. On va revenir au bureau principal, ça va être chiant. Début de série qui commençait comme un pro et qui tourne mal. J'aurais peut-être dû lancer le jeu une fois avant. Hop, oh, non, calme-toi. Option. Graphisme. Ouais, alors lui mettait plutôt en moyen élevé. Synchro. Ah, c'est peut-être ça qui m'emmerde. Désactive-moi ça pour voir. Applique.
Ouais, parce que des fois, hein, la synchro verticale, c'est quelque chose d'obscur. Hein? Attends, attends, non. Parce que... Oui, casse-toi. Faux. Nouveau jeu. En initié, on a dit. That many guards in one place must be a whorehouse. Even better, it's the guards' monthly payroll delivery. A delivery of vegetables, more our style. Let the pro do the hard work, then it's easy pickings for us. Ha 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 ha! Huh? That's disgusting. What was I thinking when I took a job in this scummy rat hole? Watch your ass! What? You pushed me, you drunken piece of shit. Thief! Thief! Raise the alarm! A thief got in! Alarm! Oh, alarm! Get me out of here, damn it! Hi there. I'm the new accountant. Let the pro do the hard work. Smoking's bad for you, boys. Real bad. Voilà, on appréciera la cinématique d'absolument très mauvaise qualité. Formidable, qui vous donne pas du tout envie de jouer au jeu. Mais je vous rassure, le reste du jeu ira mieux. Cela maintenant fait plusieurs décennies que les peuples de l'Empire luttent pour endiguer l'invasion des gobelins, la peste verte. Pour contenir ce fléau, les humains ont créé des escadrons spécialisés dans l'extermination des gobelins, les carnages. Mais il faudra plus pour inquiéter Styx, qui vit désormais dans l'ombre du village humain de Tobben. Un taudis peuplé d'escrocs en tout genre et planté au beau milieu des marais. Ses talents lui ont valu une certaine renommée et une vieille crapule du nom d'Ephron, l'a récemment contacté pour un travail sur mesure, dérober les coffrets contenant la solde des gardes. Voilà, donc c'est la cité des voleurs, normalement c'est le tuto qu'on va se faire. Donc jeu optimisé 0 pour la scène cinématique, hein, je suis vraiment désolé. Remettez un pouce bleu. Vous pouvez pas ? Bon, c'est pas grave. Remettez pas un pouce bleu, sinon ça va l'enlever. Un jeu engagé d'ailleurs, je tiens à rappeler, puisque fumeture, hein, ils l'ont quand même marqué, c'est mauvais pour la santé, tout ça, tout ça. Been a while since I've been in this part of Thul. There's nothing left standing. Turn into a real shithole. Proud of your work. No wonder the Greenskins ain't welcome around here.
on, beat it, Rakash. Can't stand staring at your stupid face any longer. Ok. Donc vous allez prendre le jeu vidéo. Oula. Alors pour vous ça va à peu près. Pour moi c'est pas dingue. Donc bah on va encore changer les paramètres graphiques visiblement. Hein. Excusez-moi. Hein. Il faut croire que on est personnalisé. Lol. Bah, mets-moi de ça en auto dans ces cas-là. Voilà. Tout est faible. Bah tout est faible alors. Non. Non mais voilà. Remets ça en auto. Oh mais ça. Non mais fais pas ça. Au secours. Au secours. Ouais. Non mais... Ah, arrête. Fais pas ça, mec. Mais arrête, Jack. Oh, la manette. Oh, je sens les contrôles à la manette qui vont m'arracher les cheveux. Non, mais vas-y, mets-moi ça dans le bon sens. 1920 par 1080. Oh, il y a un million de définitions, quoi. Très bien. Maintenant, tu me le mets... Non, pas en faible, s'il te plaît. Quand même. Un peu de respect. Non. Il y avait auto, à un moment donné. Il y avait auto... Voilà, appliqué. Oui. Oula. À fenêtré. Pourquoi on est passé en fenêtré? Non, tu mets en... Oh, laisse tomber. Voulez-vous sauvegarder les applications? Non. C'est bon, vas-y, saoule pas. Là, c'est bon, ça marche, là? Ouais, c'est un peu dégueu. Hein. Ah, on peut se cacher, ça c'est formidable. C'est un jeu... voilà. Voilà, c'est formidable. Ok, nice. B une fois, ok. Faut que je prenne les contrôles. Pour éteindre les torches, ah oui, c'est vrai, on peut faire ça, nice. It's time to switch out the light, kiddies. On ouvre direct, à mon avis, y'a pas de garde par là. Ah, ça y est, du pot vert par ici. J'ai pas l'intention de sauter tout de suite, calme-toi. Ah, pousse-toi, Jean-Louis. Hein. Ah, celle-ci n'est pas ouvrable. Ok, ça se jette, c'est cool. Ça rebondit partout. Alors, la particularité de ces jeux d'infiltration... Non, mais moi, je veux sauter maintenant. Fais pas genre. Eh, on peut sauter là-dessus, fais pas genre. Ah, on peut pas. Formidable. Ça me fait vraiment bien, pas plaisir du tout. On peut pas. Je vais pouvoir à un moment donné, hein, je te préviens. Moi je veux grimper là-haut. Il y a de la lumière, c'est qu'on peut y aller. C'est un jeu comme ça. Hein. C'est un jeu, normalement tu peux circuler pas mal. Activer ou désactiver la vision d'ambre. Ah oui, c'est sur celui de Wright. Ok, on peut voir des éléments... genre là en fait, voilà, je peux grimper ici. Je vois le... Je vois des choses. Par contre, ça, c'est mignon, mais... Ok. Oh là... Oh les mecs, le jeu, il est codé avec le cul. Yin. Je vais remonter. Laisse-moi remonter. Je crois que j'ai vu un truc. Alors, par contre, c'est pas un Assassin's Creed-like, donc je crois que je peux pas rester appuyé sur A et sauter. Voilà, ça saute. Sinon, ça saute tout seul. Ouais, sinon, ça saute tout seul... C'est pas Assassin's Creed, c'est vrai. Non, excusez-moi, il faut que je reprenne un peu ce genre de jeu en main. Ça fait longtemps. Est-ce que je peux courir, genre? Je crois pas. Ça, c'est mes pouvoirs. Elle se suit un petit malin. J'ai un truc ici, laisse-moi passer. Laisse-moi voir, je sais qu'il y a un truc. C'est pas du mauvais genre. Et je peux grimper là-dessus. Mais. Il tarasse ? Voilà, merci. Mais. Ah non, mais t'es sérieux avec ta paille là ? Ta paille de tes morts ? Vas-y, je descends ici. Ah, oh. Ramasser, qu'est-ce que c'est? Minerai de fer. Ok, bah nice, j'ai bien fait. J'ai bien fait de passer par ici. Et moi par là. Mais oui, l'école est finie. Allez, vas-y, montre ça.
J'ai besoin de regarder ce qu'il y a derrière. Je sais déjà ce qu'il y a derrière. Ok, on est ici. Wow, j'ai fait tout ça pour rien. Bon, il faut que je monte encore plus haut. C'était l'objectif. Toujours plus haut. D'accord, donc on peut même se taper les cordes, ok. On peut se taper le bonbon cordage. Là. Grappe-moi ça ici, là. Toujours plus haut. Toujours plus haut, toujours plus fort. C'est orboyau, c'est orboyard. Ok. Bon, là par contre, je crois que tu vas m'empêcher d'aller plus haut. Là, il y a des clous, il y a des pics, il y a des trucs et des machins. Ça sent les embrouilles. Ok. Donc, sinon, on a une tyrolienne. Je suis quoi? Je suis accroupi là? Ah ouais, ok. Nice. Ok, ok. Ok! Zip. Ah, ça, ça tue. Tu la chopes tout seul, ta machine. Pourquoi tu veux absolument que j'utilise ma vision d'ambre ici? Ouais, c'est une tyrolienne, je comprends. Hein. Je comprends l'utilité d'une tyrolienne. Je suis un génie, je sais. C'est bien oui. Y'a rien à récupérer. Là-bas, j'y suis allé. Ok. On va faire une petite full explo, hein, ça va être bien. Les embrouilles, c'est là-bas. D'ailleurs, faut que j'aille faire quoi? Atteindre l'arrière du bâtiment en 73 mètres, d'accord. Parce que c'est des mètres façon Ubisoft, c'est-à-dire qu'en fait, t'as encore 2 mètres de l'objet quand t'as le nez dessus. Ou pas. Non mais, vas-y lâche. Vas-y lâche bonhomme. Zbibibouï, zbibouï. Y a pas un mode courir? Ah faux. Vous êtes mort, mais... Oui, c'est embêtant. I'll come out there and take the controller, and you come in here and die. Painfully. Voilà, alors ça par contre c'est la petite ambiance, hein. Oui, je cherchais la dernière partie. Vas-y, ça marche. ah oui, du coup, attention, il va falloir que je vérifie si j'ai mes minerais de fer, du coup. Ok. Ah oui, on est là. Ok, nice, 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 nice. Nice, Iman. Tout dans l'humour, hein. L'humour, c'est fantastique. L'humour, c'est génial. Tu veux pas descendre d'un cran, là? Non, tu veux pas? Pourquoi? Pourquoi? Hey, gros! Ah ouais, tu vas vraiment obliger à refaire tout le tour là? C'est con ça, hein? Voilà, c'est génial! Faut que je prenne un raccourci. I want a percentage on your best goblin death compilation. Le mec est très rigolo. Ouais, vas-y, charge la dernière partie. C'est très rigolo, on va streamer ça. Les morts sont à mourir de rire dans ce jeu. C'est très sympa. Oui, on a compris la vision du Globzoul. C'est bon. Moi, ce qui m'intéresse, Biloute, c'est de remonter... par là, parce que visiblement, j'ai pas trop le choix, en fait. Propose pas de m'accrocher là, c'est chiant. Bon, voilà. Oui. Remember, Jordan, you should never go out without a handful of sand in your pockets. Oui, d'accord, et on manie. Ok. Et on manie comme ça. Ok, ça roule, ça roule, ça roule. Ça m'orienter avec LB. Le left bumper? Ouais. Mais non. Non, ça c'était la roue. Pourquoi ça voulait pas me le prendre? Hey, I hear there's an Easter egg that gives you the address of the level designer who put that freaking hole there. Je suis d'accord avec toi. Enfin, le level designer, c'est toujours de la faute des level designers. C'est bien connu. vous pouvez sortir un compteur de mort dans le tuto. Hein. Voilà, ça va être bien. Faut que je me réhabitue à ça à fond. À fond les manettes, puisque le dernier. Le dernier que j'ai tourné, il y a quoi? Un paquet d'années. This is comfortable. Ah, oui, c'est assez confortable, je te remercie. Hein. Mais ramasse ta poignée de sable. Oui. Oriente. Et on va vers l'objet connu.
D'accord. LB pour attendre. Ah, d'accord, il faut que. Ok. Ok, d'accord. Nice. Ok, ok, ok. Alors, j'avais pas lu jusqu'au bout. Je suis un connard. Ok, là on peut se cacher évidemment. Y a pas un mode. Y a pas un mode. Tu cours un peu plus vite toi normalement. Ah, c'est se passer. Ah, c'est pour sauter. Ok, j'ai vraiment juste le roulé-boulé quoi. C'est bien. Range-moi ça. C'est dégueulasse. Laisse pas les gens au milieu. This is the last time I'm doing it for you. Ça brille, mais ça se prend pas. Si? Nice. Ça brille, ça se ramasse. Très bonne news. Ça brille, donc ça se ramasse. Ok, ça, on peut se cacher dedans. Formidable. Par là, il y a l'air d'y avoir que des emmerdes. Non? On va faire comme dans PUBG, on utilise la caméra troisième personne. Nice. Pognon ? Putain, ramassé. Ah oui, c'est vrai qu'on peut même se mettre sous les tables, on peut tout faire. Décrocher. Ça met un certain temps, d'accord. Mais ça se fait. Voilà, donc nous on est des sales racailles en fait, on joue des racailles. Bien t'as vu. Ramasser. Qu'est-ce que c'est ça? Hein, par-dessus un cadavre pour le dissoudre. Ah bon? Pour le dissoudre. D'accord. On va essayer. Prends ta petite dose, bonhomme. Voilà. D'accord, donc on a un item pour dissoudre. Ouais, on va faire un petit tour dehors, vite fait. Tac, tic, tac, tac. Faire là, simple caisse ici, semblerait-il. Nice. Ok, ouvre cette porte, voilà, ça sera bien. Ok, ok. Bah, par contre, on va galoper un peu parce que accroupi ici là, c'est pas très utile. La potion de soin, bien sûr, magnifique. Est-ce qu'on pouvait encore aller plus haut? Parce que, en fait, le secret de ce jeu, c'est vraiment d'être tout en hauteur, tout en profondeur, tout le temps. Non. Oh, par contre, les textures sont dégueulasses. Elles sont dégueulasses. Juste pour pas que ça rame, quoi. Je suis dégoûté. Ok. Je sais pas si j'en avais utilisé. Non, c'est bon, je suis plein. J'avais bien pensé à en reprendre. Pour te balancer dans une direction... L, RT pour monter et descendre de la corde. Ok. Alors, RT c'est Right Trigger. Ok. Ok, hop là, par exemple. Ok. Je suis right trigger. Mais merde, de merde, de merde. Ah, ça perd les popettes. You stop killing me, and I won't tell anyone what you did with that apple pie. Eh, I thought I was sick. D'accord. On dira rien pour la tarte aux pommes. Formidable. Je vous rappelle que fumer tue, c'est pas bien. Oh mais tends-toi con. Toi. Ah, Carnage has begun training recruits. Well, this is gonna be short and sweet. How long will two against one take him? Ok, donc là c'est le début des embrouilles.
ok. Ah, c'est ça le LT, donc ok, je peux me caler contre les murs. Ça me disait bien qu'il y avait un truc dans ce goulag. Il va y avoir quelque chose par là. D'accord. Donc du collectible. Et ça c'est quoi? Un autre collectible. Crappy name. They must have been paying the guy who wrote it by the letter. They're really scraping the barrel if they're recruiting here in Shitville Thoban. Given the scum that live around here, better tear down these posters. Otherwise, this little toilet of paradise will turn into a real stinking hell. Je peux lui faire un mauvais sort à l'autre ou pas là? Tu m'autorises à le poignarder? Ah oui. Ah, il faut que je maintienne. Deuxième gars. Non. Si. Mais il s'est barré. Ah oui, d'accord, oui, oui. La chute. Bobo au doigt. Allez, on joue vraiment le globzoul fragile. Hein. Le batou fragile, le globzoul fragile, voilà. Il existe des objets fragiles, machin. Ok. Tous les trucs en bleu, quoi. Ah, j'aurais pu le ranger là, le mec. Pour accéder au pouvoir et créer un clone. Hein? Un bon moyen de... Ah oui, l'ambre, c'est vrai qu'il y a une histoire avec l'ambre. Alors, attendez. LT pour accéder au pouvoir. Ouais, non, c'est left. Et le clone, c'est sur A. Pour détruire le clone, contrôler le clone. C'était bien. Vous avez aimé ce que j'ai pas fait? C'était nul. Vous voyez, on est extrêmement puissant, extrêmement solide. Un coup de couteau dans la nuque et c'est réglé. Voilà. You see what we found during the last raid? Yeah, nice one. I was sure to disappear since the fall of Akanash. Me too. We'll make a ton of money out of it. I hope you've stashed it somewhere safe. Of course. What do you take me for? I hid it in the old secret room. Oh. The one behind the bookcase. Shh. Why not just shout it from the rooftops? Merci. Alors pas sur le toit de préférence parce que je vais y aller. Sur le toit. Si vous pouviez éviter de crier sur le toit. Ah, par où je vais pouvoir grimper moi? Pas pouvoir grimper par là. Oh, ils ont mis des clous partout. Oh là là. Sans que les mecs ont des petits problèmes avec les gobelins. Oula. Le mec, il va ouvrir une porte là, non? Ah, c'est au-dessus, ils ont dû ouvrir une porte au-dessus. Oh, mais ça y est, c'est l'impasse. Ça y est, c'est l'impasse. Non, ça c'est ça. Non, ça c'est ça. J'ai moins que dalle.
veux que je fasse quoi avec mon clone? Ah bah oui. Attendez. Non mais à un moment donné le problème vous savez c'est quand on n'est pas intelligent. Newsflash. The jump button is not located between your ass cheeks. Maybe it is for you, I know. Ça se paye la gueule des joueurs tranquillement, posément. J'ai pas les contrôles en main. Hein. Je ne vois pas du tout, je sais pas si ça s'est vu. Est-ce que ça s'est vu le degré de maîtrise 0? Alors on va tout de suite checker cette porte pour avoir à nouveau l'info, parce que je sais pas si on va nous marquer la bibliothèque. You see what we found during the last raid? Yeah, nice one. I was sure it had disappeared since the fall of Akinash. Me too. We'll make a ton of money out of it. I hope you've stashed it somewhere safe. Of course. What are you taking me for? Hey, des bonnes choses, là. Hid it in the old secret room. Oh. One behind the bookcase. Prendre possession du clone. Non mais t'es sérieux là? Descends, 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 lâche. Cheese, please. This is gonna take time. Ah bah ouais, tu sais, les pizzas avec les pepperoni en plus, mon gars, faut aller les chercher en Italie et tout, c'est compliqué. C'est compliqué, mec. Moi, je voulais faire un petit assassinat en bonne and due forme, mais les mecs sont pas d'accord avec. Alors, je suis désolé, mais moi, je vais réessayer parce que j'aime bien les meurtres. Je suis assez fan. Ça se passe mieux comme ça. Allez. Allez. Voilà, c'est ce genre de petits problèmes. Non, c'est dommage que les mêmes défauts du jeu sont persistants en fait d'un jeu à un autre quoi. Ok. Là, c'est le corps. On peut pas les fouiller, tâter leur poche aussi, ça je trouve ça un petit peu triste. Parce qu'on est un personnage qui aime beaucoup l'argent finalement. Non mais lol. Voilà. Vas-y, détruis-toi. Est-ce qu'on peut déverrouiller? Merci. On déverrouille. Si on peut, c'est cool. Y'a rien à loot ici? Gear on this bench looks usable. With a few raw materials, I should be able to put together some nasty surprises. Ah, parfait. On va pouvoir crafter quelques conneries, visiblement. Ah, juste avec du minerai de fer, ok. Et ça, bah c'est bon. C'est bon pour en crafter un aussi. Je vais pas me gêner, je les ai. Alors ça fait quoi la fléchette? On va le découvrir. Pareil, je suis obligé de passer par l'autre porte là. Tuto. You see what we found during the last raid? Yeah, nice one. I was sure it had disappeared since the fall of Akinash. Me too. We'll make a ton of money out of it. Hope you've stashed it somewhere safe. Of course. What do you take me for?
I hid it in the old secret room. Huh. The one behind the bookcase? Shh. Why not just shout it from the rooftops? A hiding place behind a bookcase. Talk about originality. They got taken out. Where is he? Shit! I got you now! No! Bon, on aura fini à l'ancienne un peu, quoi. C'est pas grave! Le but... Hein? Ça se ramasse pas, ça? D'accord, ok. J'ai rêvé. Crochet nécessaire. Bon, on l'accrochettera pas. Ok. Éteindre. Tac, s'il te plaît. Taf, parfait. Ça, ça se récupère. Nice. Hein? Ah, j'aurais pu empoisonner de la bouffe en crachant dedans, c'est vrai. Ah, j'avais oublié qu'on avait ce talent-là. Voilà le document. Ok, bien sûr, on a un système de points de compétence, sinon ça serait pas drôle. Ce jeu n'aurait aucun intérêt. Quick. Il y a un mage là-dedans. Ah, il y a un mage et un garde. Ah non, il y a un chevalier et un garde. Où il va le monsieur? Où il va le monsieur? Tu fais quoi, monsieur? La lame de Morphée, succès déverrouillé. Je pense que c'est parce que j'ai commencé à liquider un petit peu de monde. c'est pas grave, hein, c'est que des humains après tout. Ah, il y avait le coup du chandelier, bien sûr. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire les choses, et c'est ça aussi qui est intéressant. Donc là, j'aurais pu m'infiltrer, hop, glisser jusqu'ici. Et leur faire le coup du chandelier sur les deux. D'accord. Et tu vas camper ici. Connard. Alors, attends, on va voir. Est-ce que je peux... mauvais deal. Eh, laisse ça. C'est à moi, ça. Touche pas. Ne touche pas, je te dis. J'avais dit de pas toucher. M'écoute pas aussi. Les mecs, ils m'écoutent pas. Ceci dit, j'ai pas rangé ceux du bas. Ça pourrait être une bonne idée. La porte étant verrouillée en scénarite. Ah, nice, il y a un truc là. Cool, qu'est-ce que c'est? Minerai de fer? Ambre brute, d'accord. Ici, qu'est-ce qu'on a? Pouette. N'oublions pas, je suis un gobelin, j'aime bien prendre l'air. J'aime bien checker les environs. C'est verrouillé. Je pourrais passer par là si ça me dit, ok. Beaucoup de façons de passer à des endroits différents. C'est attaché à quoi, ça? Ici. Alors, j'ai un enfant, hein, je suis obligé de tout casser. Hein. Ça va déranger personne, j'espère. Hein. Est-ce que je peux le ranger dans l'armoire, le monsieur? Ah ouais, cool. Range-moi ça dans l'armoire. Est-ce qu'on peut ranger un monsieur dans un tonneau? Ah, non, on peut pas là, quand même. Hein. Là, il m'aurait dit, monsieur, il y a un petit peu d'abus. Attends. Je peux pas ranger un deuxième cadavre. Enfin, je dois ranger un cadavre ici, de toute façon. Mais je suis pas allé dehors, c'est vrai. J'ouvre toutes les portes. Faut éteindre toutes les torches, comme ça tu sais pas où t'es passé. Je vais tous les ranger au cas où il y aurait un succès pour ranger tout le monde. Voilà, c'est pour ça je fais un petit peu de temps là-dessus, mais je vais ranger tout le monde d'abord. C'est extrêmement important. Faut travailler proprement un peu. Hein. Est-ce qu'il y a un truc dans le coin pour te ranger, toi? Ouais, ici, tiens.
J'ai tout mon sable. Tac. J'ai tout le sable, ok. Je vais refaire un petit tour table de craft. J'ai pas de quoi. J'ai pas de quoi. Ok. Ok. Bon là on peut galoper un peu. Vous ici c'est fait. Tac tac, on passe par là. J'ai pas ouvert ici. On va ouvrir tout de suite. De toute façon, y a personne dehors. Sinon, il le saurait déjà. Que je suis dans le coin. Vu le bruit que j'ai fait. Ok. Continuons donc à jouer à Petit Massacre entre amis. En passant par les toits. Un garde par là. Il y a un garde un peu plus loin. Have you seen the posters? Carnage is recruiting. There are squads hunting goblins in other places too. It'd be a good way to get out of this shithole. I don't think I'm made for the job. Those things scare the hell out of me. Yeah, it's true. You wouldn't last a day. There's some real hard cases in. Sure, I'm lucky it wasn't me. Non mais lol, c'est moi ce mec. Cockroach. Calme-toi, calme-toi. Tu n'as jamais rien vu. Silence. Calme-toi, calme-toi, petit bonhomme. Calme-toi. Ça c'est parce qu'il m'a remis debout, parce que j'ai soulevé un corps. Ça, vous voyez, c'est des petits problèmes. Il doit y avoir une affiche, voilà, juste là. Enlève-moi ça. Personne ne me connaît. Je suis un homme charmant. On appelle le touriste dans le milieu. On pouvait empoisonner ça, blerk. Je l'empoisonne quand même, parce que ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de tout saloper si jamais il y a un autre con d'humain qui passe dans le coin pour enquêter soi-disant, par exemple. Ok. On a pas de quoi vous ranger dans le coin, là. Ça m'a arrangé là, parce que vous êtes un peu oublieux quand même. Ah. Faisons un petit tour dans le coin quand même. Prochain nécessaire. Si je passe par là. Oui. Est-ce qu'il y avait un loot? Non. Par contre, ça pique les yeux. Hein. Ça, quand on est un gobelin, ça pique les yeux. C'est malsain. Ils appellent ça une torche, les humains. Ah non, continuons à jeter un œil en hauteur toujours. Les hauteurs c'est bien. Qui a dit que les gobelins aimaient les profondeurs? Voilà ça. Minerai de fer, c'est sauvegardé. Oula, ils sont deux. Il y a Jean-Pascal mais... Séparez-vous. Fais bien de préparer ta lame, mon pote. Il faut pas se séparer, les deux connards. Ça, y a rien à en tirer. Ah, là, je pourrais leur faire un sort à cet endroit-là. Tu passes entre les caisses, ils sont obligés de se mettre que le. Alors, est-ce qu'on peut en zigouiller un là, genre... Ben non. Mauvaise pioche direct. Voilà, mauvaise pioche direct. We're in some real pretty shit now. Listen, I may be digitized, but I'm not stupid. What's your excuse? Mon excuse, c'est que j'avais pas prévu qu'il y avait un PNJ qui allait tourner sur lui-même. Calme-toi, Digital Man. Enfin, numérisé man. Parce que t'es numérisé, mec. Donc, c'est génial. Ouais, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que ça va encore faire des vidéos super longues. Faut pas oublier que sur Comdab, les vidéos courtes, quelque part, c'est un peu vomitif. Et le pire, c'est que quand je fais des vidéos courtes, vous me demandez de les rallonger. Donc, en plus, c'est vrai. Voilà, on n'aime pas les vidéos courtes. Quelque part, est-ce que ce jeu n'est pas un bon prétexte pour faire de longues vidéos?
C'est beau la PNJitude, hein. Oh. Ordering a double pepperoni pizza with extra cheese. Oui, on a compris, monsieur. Ah, ça va prendre du temps, mais oui, ça va prendre un temps certain parce qu'il faut que les deux meurent. Donc, j'ai pas trop de temps à perdre, vois-tu. Puis le problème, c'est que voilà, vu qu'ils sont extrêmement bien codés, ils ont des dégâts de collision qui sont jamais deux fois les mêmes, parce que sinon, c'est pas aussi drôle. Je suis la mort. Je suis la justice. Je suis Batman. Bref. J'avais fait une fléchette, je crois. Non, j'ai plus de fléchette. Du coup, j'ai perdu l'occasion. Je disais level tout en hauteur. Voilà, résultat des courses, il le vit bien. Bon, j'ai plus de vie, mais sinon lui, il le vit bien. Est-ce que mes roulades font du bruit? What is it now? We're fucking out. Mais... Let's make a deal. You stop killing me, and I won't tell you. Oui, d'accord. On dit qu'on fait ça. Normalement, il y a plus de phrases que ça, donc si tu pouvais nous faire profiter de ton verbe, de tes lyriques. De tes lyriques ultratoniques. J'ai envie d'aller chercher du coup tout de suite mon machin là. Hop. Hop. Faut un crochet, mais de deux côtés, hein. Ouais, c'est ça. Hop. Bien. Vas-y, mon grand, vas-y. Vas-y, on y croit à mort. Non. Sinon, je pourrais peut-être même les esquiver par ici, non? Je me demande. Je pourrais pas les esquiver par là? Genre là, y a pas un petit jeu de jambes à faire, genre? Vous ne me voyez pas. Tu ne me vois pas. Je suis un muret. Ah, ça se collisionne un peu. Ah, ça se touche un peu. Voilà. Un jeu bien codé, les gars. Je pense que j'ai le temps de le péta. Voilà. Et ton pote ne l'a jamais vu. Ah ! Oui, alors. I read the script, and I know we get past this. It's just a matter of time. Oui, c'est vrai que dans le scénarium, ça y est pas. Mais j'aurais apprécié qu'il y ait un peu comme pour les rambardes,
Dans le 1, autant il y avait trop de collisions. C'est-à-dire que dans le premier, ce qui était un peu chiant, c'est qu'il était... on avait du mal à descendre de nos barrières sans sauter. De la rambarde sans sauter. Là, c'est l'inverse. Là on glisse partout. Je veux dire, il n'y a même pas un pseudo... il y a même pas un petit faux rebord qui te permet de te sauver les miches. C'est vraiment tu glisses, hein. Salut Régis, quoi. Oui. Bon, après on serait pas obligé de les tuer, hein. C'est juste que moi j'y tiens énormément. Ma vie dépend de ce meurtre. Je suis là pour tuer des gens. Ah, ils suivent trop bien, là. Là, ils sont bons, là. Là, ils sont bons. Là, ils sont pas mal. Ah, the Silver Goblet. Used to be the best bar in this part of Thoban. Looks like the change of owner has brought it. Ouais. Ah, non. You realize using the controller with your feet's not gonna gain you an achievement, right? T'es sûr qu'il n'y a pas un succès jouer avec la manette, jouer comme un pied ou un truc comme ça? T'es sûr? Faudrait que j'aille voir dans les succès du coup s'il y en a ou pas. Alors surtout, si vous trouvez cette vidéo particulièrement longue et chiante, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. J'aurais pu me débarrasser d'eux aussi. Excusez-moi. Ah, c'était pas volontaire, monsieur. Désolé. Ah, désolé, hein. Hop. Et moi, j'ai pas d'armure. Je peux sauter vite. Allez, salut bonhomme! Ben voilà! Ça s'est très bien passé, non? Ça a été peut-être un petit peu longuet, je veux bien. Ah, tu me le passes pas par-dessus bord là? Non, tu me le poses juste dans un coin. Pose-le dans un coin. Peut-être pas m'amuser à me débarrasser de tous les corps, si? Non, peut-être. Je sais pas. Comme pas, mec, hein. Fais pas le coup, hein. Ah, merci. Wait. Oui, je vais m'emmerder à faire tomber tous les corps, en fait. Bon, j'ai décidé ça. Y a un trou, là, par lequel on peut les faire tomber? Je suis pas allé par là, moi. Ça te dit rien. Ah si, c'est le quai où on a fait tomber le lustre faire diversion. J'allais dire pour divertir, mais ça les a pas trop amusés de mourir, en fait. Ah. C'est moi. Vous voulez bien vous barrer? Merci, vous êtes bien aimable. Pouet. Hop là, ninja. Hop là, ninja. Petite ligne de basse. Il y a déjà un mec en bas, oui, c'est vrai. J'en ai déjà rangé un. Qu'est-ce qu'il faut pas faire par souci de professionnalisme? Bon, par contre, la mission de pas vous faire détecter une seule fois, je sais pas s'il y a un succès, mais je pense que oui. C'est râpé, hein. J'annonce, c'est râpé. En fait, il y a un truc tout con que j'ai pas fait, que je pourrais peut-être faire, là. J'ai pas une potion de soin, là. C'est quoi, ça? Solution acide. Ah, c'est la fiole de vie. Collement une. Ah ouais, ça rafraîchit un peu, là.
Là, on peut peut-être tenir un coup de lame dans la bouche, là. Je sais pas si on tiendra une lame à deux mains, mais une lame normale, on pourra la tenir. J'aime beaucoup le level design, le jeu design, enfin tout est pas mal dans ce jeu, si ce n'est le gameplay qui était extrêmement raide, arcade, alors qu'en même temps il est simulation, voilà, c'est... Ça manque de smoothitude. Oh, je me dis que le troisième sera parfait. Voilà. Bon, les mecs que j'ai réglé... Est-ce que moi j'ai tout pris? Non, j'ai rien pris. Hein. Voilà, donne-moi tout. On m'appelle Racketman dans le milieu, frère. Un truc par là. Du sable. Ok. Ok. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Peut-être pousser, explosant contre le premier obstacle. The Silver Goblet. Used to be the best bar in this part of Thoban. Looks like the change of owner has brought in some not so fresh faces. Le mec est vaporisé. Ok, nice. Ramasser. Oh, les crochets. Oh, il y a un copain là-dedans. Sors-moi un pote. Sors-moi un pote. Vas-y, frère, sors-moi un pote. Mon pote. Ça roule. Ils t'ont laissé avec un humain. Bon, lui, il a pas dû faire des trucs très cool à Noël, hein. Ah, l'autre, il s'est fait régler. LOL. C'est quoi, ça? Piéger la cloche. After a bit of sabotage, this will really be the death knell bell. On pouvait aussi leur lancer à la face. Ouais, j'en mets partout, je suis un mec comme ça. Ça sent quand même grave le rebord. Bon bah mon pote, c'était cool. J'étais content. Là, 800% devait y avoir un succès pour qu'il sorte en vie d'ici, mais ça n'arrivera pas. Quelque chose par là? Ça a pas l'air, hein. Ça a l'air d'être vide, ça a l'air d'être juste une passerelle pour passer, mais dans le doute... Oh putain, je me suis arraché la moitié de ma vie. Quel glandu. Ah si, il y avait des trucs. Bien ce que je pense. J'avais cru voir justement que ça se ramassait. Oh là là, il y a un million de loot. Oh, j'ai bien fait de perdre la moitié de ma vie, hein. Ça valait le coup. Ça valait grave le coup. Je suis trop content. Voilà. J'ai pas perdu la moitié de ma vie pour rien. C'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que je vais pouvoir la remonter Il y a un truc là-bas aussi, là. Mais là, on peut jouer à Tarzan ici, là. Et d'où cette... J'arrive pas à déterminer la distance de cette corde. Ça me rend mal. Ça me rend mal à l'aise. Il y a un truc ici. Non. Oh, je monte tout en haut, quitte à me repéter une patte, hein, je m'en fous. Hop. Ah oui, il y avait ce truc là, oui, il y avait cette histoire. Il y avait cette histoire là, attendez, on remonte. Il se passe des choses, il se passe des choses extrêmement intéressantes. S'il en est. Est-ce qu'on pouvait remonter ce truc ou. Il y a vraiment rien, genre c'est juste une planque pour s'y mettre quoi. On dira que c'était bien, hein. Hein, devant un tribunal, on dira vraiment que c'était génial. Que c'était vraiment
meilleur choix de level design qu'on ait vu, tout ça. Bon alors, des mecs à tuer, il en reste quelques-uns. C'est parti. Soyons sérieux, 5 secondes. Alors, on peut rentrer dans les locaux, je pense pas. Yeah, but I don't really believe it. Goblins are all the same. But it means we can blame him for everything that goes wrong around here. Pocket Sam! What the? Those parasites are a pain in the ass, and there's too many of them. And if they start understanding what we say as well as wrecking the place, I don't want to think about it. Ah, donc oui, on va pouvoir les voler maintenant. Je me disais bien. Putain, le jeu n'aurait pas pu me le dire avant. Tout ce loot que j'ai paumé. Salaud, tu te rends pas compte du loot que j'ai paumé? Tu t'en fous, hein. Allez, donne-moi du minéral. Encore du minéral. Ah! Spin. Alors, denrées rares, hein, mais denrées très appréciables. Now that really does add life. L'ambre. Voilà, salle au trésor, quoi. Je pense pas qu'il y ait qui que ce soit à ce level là. Non, rien en dessous. Un petit tour par là. Ah, il est là, Michel. Potion de vie ramassée. Voilà. Merci. Ah, je me sens moins à poil déjà. Hein. Qu'est-ce que je pense à nourrir la faune et la flore, hein. C'est incroyable. Hein. Heureusement que les gobelins, c'est consciencieux avec Mère Nature. On peut juste l'ouvrir comme ça, gratuit. Je crois qu'il y a personne. Hein. Allez voir un mec. 100%, il y a un mec. Deux mecs, mais encore. Bizarre. Oh, vous dites ça en mode français. C'est rigolo. C'est ça comme des français. What the? Ah, l'autre, ça y est, s'est réveillé. Je croyais que je faisais un assassinat silencieux. Mais tu vas t'abasser, oui, couille ouverte. Je peux que parer. Using the controller with your feet, it's not gonna gain you an achievement, right? Non mais lol les gars. Avant je pouvais tabasser les gens. Pourquoi je peux plus? The call of booty. It's even better than a booty call. Oui, d'accord, donc on a fait quand même un petit. On a fait quand même un petit rollback là sur ce coup-là. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc on connaît un peu plus leur position. C'est pas perdu non plus. En fait c'est ça qui est aussi intéressant. Gobelin fermier. Ah, j'ai récupéré beaucoup de trucs, c'est pour ça. Ok.
Non mais, voilà, aussi j'ai envie de te dire, voilà. Non mais, voilà, tu vois ce que je veux dire, à un moment donné, le gobelin, si tu fais pas ce que je te demande, les tuiles, on va en avoir quelques-unes. Voilà, bravo. Ouais, bah, je suis mort. Habille ou ne pas être habillé, telle est la question. Il va te faire faire la réponse. Voilà, ah, il y a des bonnes petites vannes, tranquillement. C'est cool, c'est cool. Ça fait plaisir de pouvoir tuer un peu de temps sur ce jeu, mais qui est pas un vrai Die and Retry, puisque tu peux tout faire d'un coup si vraiment t'es fort, t'es doué, machin, etc. Bon, après, si t'es naze comme moi, tu rejoues souvent, mais tu progresses. Enfin, je veux dire, te faire rarement avoir. Ce qui est par contre détestable, c'est le fait que le système est extrêmement rigide. D'ailleurs, j'ai oublié de crafter mes trucs, là. Ah, ouais. Ah, mais j'avais oublié d'ailleurs que j'avais ça. J'ai qu'une potion, oui, mais oui, je peux aller voler l'autre, c'est vrai. Attends, faut... Le mec qui n'a pas de tête. Ça ouvre sur quoi ça? Ça le principal. D'accord, mauvaise idée quoi. Mauvais deal, 100%. Eh, hey, il y avait une histoire de derrière la bibliothèque. Il y avait une histoire de derrière la bibliothèque, vous vous rappelez? Je suis un connard. Vous allez me détester parce que je l'ai pas fait. Je sais que vous êtes déjà en train de me juger. Oh merde, j'ai pas fait derrière la bibliothèque. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse demi-tour. Vous êtes tellement heureux. Et bien sûr, moi c'est parce que je veux tuer tout le monde, mais sinon, tout le jeu est faisable sans tuer personne. Presque. Parce que des fois, ça sent quand même un peu les impasses et... Pour essayer de se faire un level comme ça, en essayant de tuer personne... Je veux pas tomber. Merci. Formidable. Du coup, demi-tour. Eh ouais, non, il faut qu'on le trouve, cette histoire-là. Mais, oh, ta race de tes morts. À race de tes morts. Il y avait une histoire de derrière bibliothèque, c'était ouais au début de tout ça là. Oh, vous allez tellement, vous me détestez tellement. Je sens votre haine sur ma nuque. Le souffle de votre haine, voilà. Je la sens. Oh bah tiens. Bah crochet. Quoi? Ah, j'ai consommé mon crochet. Oh. Ma vie est horriblement merdique. Donc ça aurait dû être, je pense, par dans cette salle-là. Derrière la bibliothèque, le monsieur m'a dit... Le monsieur a raconté, genre, c'est derrière la bibliothèque. Alors déjà, il y a des choses que j'ai oublié de ramasser parce que je suis un blaireau, visiblement. Derrière la bibliothèque... Il y a un truc là aussi déjà à ramasser. Non ? Couvert contre un mur. Mais non, mais c'est toi le mur. Derrière la bibliothèque. Ici, non? Ça me fait vraiment plaisir. Hein. Vraiment, le 100%, hein, bien sûr. Hein. Toujours. Toujours, comme d'habitude, gaming pour les 100%. Est-ce que tu veux que je boive quoi, là? Une fiole d'ambre? Non, 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 ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, tes conneries. J'essaie de jouer sans l'ambre. C'est mieux. Hein? Non, c'est pas par là. C'est plus par là-haut. Là-haut, par là. Je vais m'y retrouver. Hein. Alors, je vous promets, je vais m'y retrouver. Je vais boire un café surgelé, mais... Je vais m'y retrouver. C'est une promesse que je peux vous faire. On va le finir ce niveau de prologue, donc de tuto. Hein. Hein, c'est ce que quand même ça veut dire. Hein. Prologue égale tuto en vrai, hein, dans les jeux vidéo. C'est pas très long comme jeu. Hein. Vraiment, ça se fait vite. Hein. T'as 5 minutes à perdre vite fait. Bon, bon, au lieu de te faire un Rocket League que ça met 10 ans à trouver un match, le mec qui parle trop mal. Bon, voilà, tu te fais un Styx. Ça va vite quoi. Le temps de chargement est ultra rapide en plus. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus, quoi.
J'ai pas envie de sonner l'alarme. Je pense pas que sonner l'alarme soit un bon deal. Ouvre-moi ce truc. On fait pas le coup de me voir à travers les caisses, hein. Try to stay sharp. I got lucky. It wasn't me. Complètement. Complètement d'accord avec toi. We've got you now, Goblin. We're okay now. They're all dead. Ça, il le vit bien. Bon, t'as une bouteille qui m'intéresse avant que je te tue. What is it now? Merde, je l'ai tué, j'ai pas eu le temps de piquer à sa bouteille. Non mais mec, s'il te plaît, pas le fou. Merde. Ah mais gros. Mauvaise pioche, forcément. Non, mais lol. Non, mais lol. Ouais, c'est bon, on a compris. Ah, là, ça va de vanner gratuitement, là. C'est bon. Ah, c'est incroyable, ça. That's a rare vintage. Hein, je joue là. Cellar.
Ah oui, c'était la... La cachette. D'accord, la cachette. La cachette par rapport à la cachette... Ouais, il faut que je revienne éliminer les deux gardes en bord de l'eau. Ouais, bon, c'est bon, on est vite dedans à nouveau, quoi. Ok, ça marche. Ok, ça roule. Ouais, non, par contre, non. Arrête de picoler pendant le service, gros. Pas plaisir. Allez. C'est parti. Bon, je me demande c'est quoi le truc à arracher, là. Bien d'accord que lui là il est mort, ok, nice, parfait. Voilà, j'ai besoin de remettre un peu de sable dans les épinards. Acide ajouté, ok. Qu'est-ce que t'as dans tes poches, mais t'es vraiment proche de ton pote. Faudrait que je t'élimine en premier. Parce que l'autre, normalement, il bouge pas là, il reste appuyé au comptoir. Et je peux le voler ou pas? Non? Non, on n'a pas le droit, ok. Bon. C'est qu'à là, mec, tu meurs. C'est qu'à là, mec, bah, tu disparais. Si seulement les gobelins savaient nager, on apprécierait énormément. Hmm? Voilà. Il faut dire quand même une chose. Ce jeu est réussi au moins sur une chose, c'est qu'il est, il reste agréable à jouer. C'est-à-dire que là, je suis pas non plus saoulé. Je sais pas, l'ambiance est bonne, avec ce petit côté très warhammerien. Je trouve cool, c'est réussi. Il réussit quand même ce jeu, globalement. J'irai peut-être pas lui mettre 18 sur 20, 16 sur 1 ou un truc comme ça, mais je pense qu'un bon 13-14. Un bon 13-14, qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Il est complet dans un monde Heroic Fantasy, c'est quand même assez original. J'apprécie. J'apprécie quand même le beau geste. Ah, je voulais sauter avec Y. Non, ça marche pas, c'est avec A. Les touches, c'est pas encore ça. Hein. Je vais me casser une jambe. Non, c'est bon. Le jeu a été cool, il m'a dit non. Ne pète pas une jambe tout de suite. Ramasse, voilà, parfait. Il a un truc derrière lui là, qui brille là. Bien, je peux pas le ramasser ça. Là, c'est peut-être normal, c'est peut-être juste pour pouvoir les repérer dans le noir. Quand t'es au bord de l'eau comme ça, hein. J'aime pas du tout. Ok, j'aurais raté un truc, non, c'est bon. Là, on a une corde qui pourrait nous ramener à un coin plus sympa, peut-être.
faire le tour, ok, ça marche. Vous voyez, je suis pas du tout confiant avec le parcours de ce jeu, alors qu'avec un Assassin's Creed, je me pose moins la question. Ah, je suis quand même bien moins serein. Non mais lol. Non mais lol. Allez, d'accord, il faut d'abord que je me remette sur la poutre. Est-ce que avec un simple coup de joystick vers le haut, non. Ok. Oh, je suis tellement pas serein en utilisant ce système. Je visite, hein. Un gobelin. Je visite pour potentiellement un jour acheter dans le coin. On sait pas. Là, il y a un zoom-zoom ici. Il y a un zoom-zoom là. Ah, il y a un zoom-zoom là-bas. Il y a moult zoom-zoom quand même, hein. C'est ça que je voulais. C'était ça que je voulais. Merci. One more. Je pouvais lui faire les poches. Si on peut lui faire les poches ou pas? Ah non, c'était le truc que je pouvais ramasser. D'accord. J'ai amalgame. Michel Amalgame. Si je fais ça, est-ce que je capte son attention à l'autre con? Pas du tout. Est-ce que toi, si je te prends par contre, que genre on dit que tu vas visiter du pays? Qu'est-ce que t'en penses? Nice, il est parti visiter du pays, c'est parfait. Maybe it was nothing after all. Je peux pas le... Je suis pas du bon côté pour le zigouiller là. Il est bugué ton mec. Non mais sérieusement. Un élément bleu. Non, aucun. Je me reste plus qu'à me montrer, hein. Bonjour. Ah non. Voilà. Non, merde. Voilà, on remonte. Mais avant de remonter... Faisons les autres portes. Ah, ici on a quoi? Petite corniche sur laquelle on aurait pu se glisser. Un accès juste à côté. Faut se méfier, il y a encore des gens dans le coin. Je pense qu'ils sont en haut. Je pense que c'est là-haut.
manger Jean-Michel connard. Tu empoisonnes ça. Ça bouffe pas de pain. Ouais. Et on progresse, hein. Ça rigole pas, hein. On est des vrais, hein. On y va, on y va. Alors, ouais, poignée de sable. Et un collectible là-bas. Gardier là. Ça a moyen d'en avoir cœur net. Eh ben non, il est vraiment plus haut encore. Là. On peut vraiment beaucoup monter donc. Ah, mais où cette porte? J'ai pas fait gaffe et ça mène. Ok, je juste pas fait gaffe du tout. Ok, on va reprendre l'accès, toi. Ah, il est là. Est-ce que t'as quelque chose à ta ceinture? Non, ça sert à rien. Là-bas, est-ce qu'il y a du loot ici avant d'aller plus loin? Non, c'est les différents accès. Toi, ok, regardez-moi ça, c'est pas stylé. Petite barque, oh là là, les trucs volants et tout, super style, hein. Super style quand même ce jeu. Direction artistique conséquente. Ah, ça sent le moyen de partir. I hear that Ambassador Arcides' airship is on its way. What? Didn't he restock just a few weeks ago? That's right, he did. That's the second time this month. There must be something going on for him to be back again. Maybe he's come to see the talking goblin. Hell's bells. I just can't help it. What are you gonna do? Cool. Je crois que j'aurais peut-être pas dû être là tout de suite, mais... Je pense que j'avance un peu loin. C'est pas une affiche à arracher, ça? Ah, vas-y, ouvre. Y a peut-être autre chose à prendre, non? Dehors, allons voir. Pas marché, j'entends pas de bot, donc je me dis que c'est safe. Là on peut réaccéder au toit en grimpant par ici. Là c'est par là où je suis arrivé. Là où il y a tous les gus, ouais, que j'ai crevé, ça marche. Ça s'est rangé, hop. Ah, je prends cette affiche. 6 sur 8, il en reste encore. Rien à voir, rien à prendre. Ça, c'est la sortie. 100%, il y a une lune de gobelins. C'est la sortie, c'est obligatoire. Le petit mât de bateau, c'est stylé. Non, franchement, vraiment, c'est très stylé, hein. Comme jeu, hein, c'est quand même méchamment stylé. C'est swag. Ah. Ah. C'est verrouillé. Celui-là, c'est déverrouillé. Allons donc prendre quelques infos. Ah oui, il y a l'histoire du tapis. Hey, anybody there? Hey.
m'a grillé quand même. Il a levé les yeux, il m'a vu. Viens tranquillement et sagement à ta place. Viens prendre ton lustre. Tranquillement. Que ça nous fasse un connard de moins. Il devrait en rester plus que 3 après ça, je crois. Ou alors, voilà, je descends, je fais autre chose qu'un coup de lustre. Sinon, il y a une torche à éteindre. Raté. C'est couvert par le bruit du lustre. Ah, j'ai pu le voler. Nice. Je suis content là. On a récupéré un couchet. Maybe it was nothing after all. Va aller chercher ton pote après ta caté. Tu seras pas seul dans la mort. T'arranges ça, TKT. The smell of booty. Stupid goblins don't know from the good things in life. Seems heavier than the others. Ouais, un peu lourd que les autres, c'est cool. Truc qu'on peut prendre là, j'ai... Ah non. Comment 2 sur 3, c'est les shurikens. Ouais, mais comment j'utilise mes shurikens? Comment j'utilise mes shurikens, mes poignards, mes machins? Qu'est-ce que j'ai sélectionné? Je sais pas ce que j'ai sélectionné. C'est bon, j'ai toujours le sable. Ok, porte, machin. On va ouvrir cette porte-là. Ah, on peut que la déverrouiller? Allez, on déverrouille. On passe après. Si j'ai plus de crochets, qu'en fait si on était à ça près. Qu'est-ce que je suis con? On était à ça près. Ce lustre est attaché par ici. Il y avait un deuxième truc en plus. La prochaine session craft, elle risque d'être plutôt sympa. Ah, c'est les crochets, d'accord. Ok, c'est pas des shurikens, c'est les crochets. D'accord, donc j'en ai 3 du coup là, c'est ça? Non, 2 sur 3 du coup, parce que j'en ai claqué un. Tu veux bien faire demi-tour, bonhomme? Ah, tu nous embêtes, hein. M'en servir pour ta pâté. Ah, sauf que j'en ai à pâté 2. Maybe it was nothing after all. Oh, le non-respect de la chaise, quoi. Nothing to report. La torche.
Eh ben ça s'est plutôt bien passé, hein. Non, je veux toujours ouvrir le menu avec le left bumper, la gâchette en haut gauche. Mais non, toujours pas en fait. Ah ça, je suis full normalement, ouais. Je peux arracher ça. Eh ben je l'arrache, ça me va très bien. On crache là-dedans déjà. Bon, le respect ça va à 5 secondes. La solde du bas, elle a été piquée. Je récupère ma bouteille ici, s'il vous plaît. Il y avait encore quelque chose là. Et ben, j'ai bien l'impression qu'on a fait un bon tour de niveau. Hein. On va ça un peu pour voir. En tout cas, j'entends plus âme qui vive. Y'a plus personne qui bronche. C'est bon ça, quand tout le monde ferme son claque-merde là. T'as plus personne pour te dire ouais, gobelin, t'es qu'un gobelin, espèce de gobelin. Vous êtes que des bandes de gobelins, enfin tu vois, c'est une histoire de gobelins quoi. Et j'en parle mal. Pas bien. Cette porte là-bas que j'ai ouverte. Allez, jeter un oeil. Alors, ouais, cette porte nous amène ici. Ah oui, secteur que je connais, qui nous permet donc de ramener nos boules par là-bas. On va faire ça. Ok. Ok. Hop. Hop. Parce qu'on a l'air de glisser sur la paille, il faut bien faire attention. Paf. Et ben voilà. Et on peut quitter le secteur. Apprentissage en douceur, le nettoyeur, succès déverrouillé. C'est les deux succès que j'ai déverrouillés. Voilà, j'ai moins 87 points parce que j'ai déclenché des alarmes. Hein. Je me prends quand même une prune de, allez, 15%. Score total, donc 630. PC 230. Arracher toutes les affiches, c'est bon. Célérité en termes de temps. Alors ça, je ne l'aurai jamais. Voilà. On va le dire clairement. Parce que pour commencer à avoir des points de célérité, il faut arrêter de faire du 100% déjà. Donc ça je les aurai jamais. Ombre, alarme déclenchée, plus 30 PC visiblement, je n'ai déclenché que 3. Clémence ennemi tué 31. Voilà, donc il faut éviter de tuer les gens aussi. Mais bon, moi je me fais un kiff, je tue tout le monde. Voleur, jeton ramassé, 9 sur 10. Ah, il me manque un jeton. Ah, il me manque un jeton. D'accord, il me manque un jeton. Voilà. Donc là, planque de Styx, hein, la révélation, presque trop facile, Styx a volé tous les coffrets contenant la solde des gardes, avant d'aller retrouver son commanditaire Ephron et récupérer sa récompense. Il fait un détour par sa planque cachée dans un recoin isolé de Tobin. En fait, le problème que j'ai, c'est que voilà, l'objectif c'est de collecter des trucs de voleurs, c'est de ramasser tout ce qui traîne quoi, pour crafter tout ce dont on a besoin. Le souci est, c'est que si on tue pas tout le monde, enfin si on commence pas tout du moins à tuer des gens, on va vite être coincé. Ah, back home. It's nice to get back to my good old hideout. Some may find the decoration a little cruel. I got all the comfortable equipment I need right here. Let me show you around, my friend. Voilà. Donc là, c'est la planque, on va faire un coup d'œil, hein, tant qu'à voir un épisode 1 assez long. Where my experience allows me to become even more badass. Yeah, yeah, it is possible. Ouais, c'est possible. Allez, compétences.
Voyons voir notre niveau de badassitude. Furtivité. Développement de la furtivité. Cette branche permet à Styx d'être plus discret dans ses déplacements et d'utiliser son pouvoir d'invisibilité plus efficacement. Pouvoir d'invisibilité dont je ne me sers jamais, puisque je ne me sers jamais d'aucun pouvoir et que je suis un connard. Assassinat. Perfectionnement dans l'art d'éliminer ses adversaires. Cette branche facilite l'infiltration via l'amélioration des éliminations et du combat, avec notamment plusieurs compétences pour gérer les ennemis en alerte. Très bien. Apprentissage de nouveaux objets et équipements à fabriquer. Cette branche permet aussi de renforcer certaines spécialisations, avec notamment la création d'une dague spéciale ainsi que des pièges d'acide surpuissants. D'accord. Clonage peut créer et contrôler donc un clone. Le clone peut être utilisé intelligemment de nombreuses manières. Diversion, reconnaissance. Cette branche décuple les utilisations du clone, avec notamment la possibilité de créer un clone à distance et de téléporter Styx dedans. D'accord. Perception, développement des sens pour mieux percevoir l'environnement, améliorant la vision d'ambre et permettant notamment de sentir l'odeur des ennemis ou voir leur bruit de pas à travers le mur. Donc idéalement, voilà, il faut jouer ces deux trucs là. C'est ce qui vous permet de jouer vite, de jouer bien silencieusement et avec clémence. Alors, persistance, la force de concentration, la consommation d'ambre utilisée pour rester invisible est réduite, permettant à Styx d'être invisible plus longtemps. On peut oublier nos caracs si jamais ça ne nous va pas. Félin. Ceux de réception sur sol sont deux fois moins bruyants et les blessures subies par les gros chutes sont nettement réduites. C'est pas mal du tout. Absorption des sons. Lorsque Styx est invisible, il ne gère plus aucun bruit. Il peut alors courir sans risquer d'attirer l'attention. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Vision étendue. La vision d'ambre permet de repérer les éléments d'intérêt sur une plus grande distance. De 12 à 25 mètres, c'est pas très utile, mais voilà, pour la suite, il faut d'abord que j'apprenne celui-là. Bon. Sixième sens. Styx ressent la présence des ennemis lorsqu'il est à proximité de leur champ de vision, lui permettant de rester furtif plus facilement. La vision d'ambre n'a pas besoin d'être activée et il réagira avec un signal sonore. Ça peut être intéressant. Mais j'ai plus assez de points. Est-ce que j'ai assez de points pour l'assassinat? Non. Ah, assassinat en l'air par-dessus un ennemi, oh là là, mais moi j'aime tellement tuer les gens. Mais bon, vu que le prochain niveau, on est censé se le faire sans tuer personne, voilà. Continue. Donne-moi ça. Voilà, le matos, donc les fioles de vie, on en a plein, les fléchettes, je les crafte pas, je les crafterai au fur et à mesure si besoin est. This cupboard could fill right up with anything I need to change my style of dress. Ok, petit swag, dague d'assassin, on a le choix entre dague d'assassin, veste de Tobin, ah il a tenue d'Akenash, voilà, ça c'est la tenue du premier, la tenue d'Akenash, d'accord, et la tenue qu'on a sinon nous c'est quoi, veste de Tobin, oh les deux se valent, fais voir la petite cape du premier quand même. Ouais, le dessous de balle. Et l'histoire de la lame, on peut avoir sinon la lame d'Akenash. Voilà, donc je peux me remettre en full premier ou en full 2. Bon, on va rester en full 2 hein, pour l'instant, c'est ce qui nous intéresse. Enfin, ce qui nous intéresse. Disons que c'est logique. C'est logique. Une fiole de vie. Bah non, ça me sert à rien, j'en ai déjà 3 sur 3. Je suis déjà full. Here's where we rank the story, or where